La formation par apprentissage, un mode de formation alternant 75% de pratique en entreprise et 25% de théorie. C'est le type de formation choisi par l'Agence nationale de la formation professionnelle AGFOP pour l'absorption de 500 jeunes déscolarisés. Avec le PGDEC, la mise en œuvre porte essentiellement sur 9 secteurs d'activité. Vous avez vu aujourd'hui, nous avons présenté 6 filières. Ce sont ces 6, au niveau de ces 6 filières, les jeunes apprentis reçoivent effectivement un kit. Il s'agit d'un ensemble d'outillages qui est un outil qui devrait les accompagner effectivement pour leur formation. La formation par apprentissage, l'AGFOP la pratique depuis 1996, mais depuis 2012, dans le cadre d'une convention avec le PGDEC, Projet Emploi Jeunes et Développement des Compétences, l'AGFOP a pu former plus de 2000 jeunes sur 3000 pour le volet 2012-2015. Ces 500 kits d'apprentissage vont donc au dire du représentant du ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle de Somoussa, favoriser une insertion professionnelle durable pour ces jeunes. Remise symbolique donc à 8 d'entre eux, des pâtissiers, des couturiers entre autres, pour être mieux outillés dans leur métier. Notons-le, c'est une enveloppe de 25 milliards de francs CFA qui a été dégagée par la Banque mondiale à l'État de Côte d'Ivoire pour le financement du PGDEC et l'AGFOP est choisi pour exécuter le volet apprentissage.